pour moi, c'est une grande victoire pour la démocratie. Et ses premières affaires qui sont importantes, c'est qu'il dit clair, premier jour même, que si le commissaire de police et la police viennent agir illégalement. Mais moi, j'espérais maintenant qu'il nous rentre nos cases civiles contre ben la police, parce que nous avons besoin de moyens financiers pour la vie avec la mafia politique qui est là actuellement. Et nous redire, mes camarades, pour nous, il est important qu'il nous rassemble et tout le monde rassemble les autres ensemble avec nous, parce qu'ils se connaissent, contre honnêteté, contre conviction, contre la vérité. Et nous pouvons continuer à combattre plus qu'ils aiment. Lors tout ça, ben, je suis là. Et l'autre semaine, on a beaucoup de développement, lors plusieurs dossiers. Et pour donner un bout de dossier, pour avoir un développement, pour un dossier Gandia qui est planté par l'État, contre Gandia, il disparaît. Le 3 mars, quand tu arrives un camarade, on se dit que c'était un jour noir pour nos démocraties. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est encore toujours noir. Mais seulement aujourd'hui, c'est que la différence, c'est qu'il y a une institution qui peut fonctionner, c'est le judiciaire. Une institution qui est encore du bout, une institution qui est encore crédible dans ce pays-là, qui fin, assume ses responsabilités et finirait tout ce qui est dans le manifestant aujourd'hui. Donc, je suis libre pour le coup de jeu.